Bonsoir. Mesdames, Messieurs de la presse, je remercie nous pour la détermination nous dans chercher de bonnes nouvelles pour nous partager avec auditeurs nous et téléspectateurs nous, et je félicite nous pour ça. Je connais que ce n'est pas facile pour la presse. Pour les kembe bon gens équilibre. Mais, moi, profiter pour me remercier nous pour professionnalisme. Moi, sorti Bruxelles en Belgique, ensemble avec ministre Affaires étrangères, ministre des Finances, avec responsable bureau ordonnateur national. Nous allons participer dans le troisième sommet Union européenne avec CELAC. CELAC, c'est la communauté État latino-américain à Caraïbes et qui est là dans tout pays, sorti en haut Mexique, passé dans l'Amérique centrale et dans les Caraïbes pour arriver dans l'Amérique du Sud. Et c'est une grosse rencontre qui était rassemblé représentant 57 pays qui membres de organisations régionales. Nous faisons un grand pas dans la bonne direction. Depuis la dernière fois, nous avons rencontré nous parler de plusieurs sujets. Dans le conseil de sécurité des Nations Unies, tout pays à la ronde badée, sans manquer yon grain, voter pour gagner une force multinationale qui débarque pour venir courir police noire pour nous finir avec bandit. Clean la ria pour que dans tout pays, tout le monde qui a circulé sans que sauter, libé, libé. La journée qu'on en lutte. Ça prend temps. Ça prend en pile parler, en pile négociation. Mais, ça ne te promet là, c'est lui qui a fait. Ensemble avec mission BINU qui est dans le pays, gouvernement et l'autre pays amio, secrétaire général là a travaillé pour que dans 30 jours, à partir de vendredi 24, à partir de vendredi 14 juillet, li ba yon proposition clé pour cap démarrer avec mobilisation force là. On joue pour ça les chasseurs, on joue pour gibier. Faut chaîne et sécurité a cassé. Faut Haïti lever campé marcher. Dans le dernier sommet d'a parler nous en pile dans président et premier ministre qui te prend la parole yo parler de situation n'a vive ici dans le pays d'Haïti. Yo tout dit li le li temps pour gagner poté collé pour aider Haïti sorti dans sa liée journée jodi. En pile nan yo comprendre qui ça k'ap passé exactement en Haïti. Ces problèmes a fait pas bon, a fait grand goût, pauvreté qui créait tout 10 années ça. En plus, aide y'a banou pour résoudre problème insécurité. Yo décidé tout pour mettre tête ensemble ou banou bourade pour un bon programme développement. Sommet sa yo, c'est occasion pour nous rencontrer en pile dirigeant. Mwen te gen conversation ak plusieurs nan yo. Même pa ka di kounyan tout bagay. Mais nous gen bon nouvelle nan men. Gen chef d'état qui dit ma clé. Yo pare pour yo pran responsabilité yo et pour vinn ba nou yon bourade pour kwape insécurité.
Vous comprenez, c'est une obligation. Si nous voulons refaire la démocratie fleurie dans le pays, si nous voulons investissement fait pour le job qu'a créé et pour l'économie encore redémarrer. Nous avons pris en compte avec plusieurs institutions, tant que Banque européenne d'investissement, qui a quitté le pays d'Haïti et qui peut reprendre l'activité en Haïti. Et puis tout, commission de l'Union européenne qui gère partenariat international, gagne un pile milliard pour toute zone Amérique latine, Caraïbe. Tout paysan minouyo attend pour nous mettre tête nous ensemble. Même si nous pas d'accord sur toute bagaille. Nous connaît chaque monde, chaque groupe gen ti l'idée pâle. On mette Haïti avant toute bagaille. J'aime toujours dire, j'aime toujours faire, m'a continué parler pour joindre un compromis à tout le monde qui voulait. N'a fait ensemble une feuille de route pour indiquer tout le monde qui voulait aider. Tout le monde qui voulait aider nous, qui côté nous voulait aller. Objectif gouvernement, c'est rassembler tout Haïtien. Objectif gouvernement, ça, c'est jamber mauvais passe de l'eau, ça, nous la donne jodi. Objectif gouvernement, ça, c'est parler à tout Haïtien, quel que soit secteur, protestant, catholique ou voyidruisant. Objectif gouvernement, c'est parler à jeunes, con grand monde, femmes tant que garçons, leaders, politiciens, étudiants, paysans, syndicalistes, professionnels, investisseurs et latriers. Nous gagnons pour nous traverser pas ça. L'autre beau mauvais passant, il y a espoir pour Haïti. Nous prenons pas la route. Nous prenons le chemin découpé. Mais nous connaissons côté de la rivière. C'est-à-dire côté de la sécurité, CEP, constitution, élection, développement économique. Sauter, pomper, Haïti a délivré. Merci en ville.